Est-ce que tu es au courant que tu peux jouer sur PlayStation 5 avec ton téléphone? Je vais t'expliquer comment tu peux faire ça. Donc regarde bien, là je suis sur mon téléphone, je vais sur le Play Store et là je vais tout simplement taper Remote Play. Voilà, comme ceci, Remote Play. Je l'installe. Quand c'est installé, ben, j'ouvre l'application. Ensuite, je fais connexion à PSN. Ensuite, je fais confirmer et continuer. Là, ils me disent que carrément, je peux associer une manette, donc me connecter en Bluetooth à mon téléphone avec une manette pour pouvoir jouer à la PlayStation 5 avec ma manette. Donc, c'est ce que je vais faire. Je prends ma manette, je maintiens le bouton Share et le bouton PS en même temps, jusqu'à temps que ça clignote bleu. Voilà, là, il y a eu un petit clignotement. Donc, maintenant, je fais accéder aux paramètres Bluetooth. J'active mon Bluetooth. Ici, il est marqué Winrelease Controller. Je clique dessus pour me connecter. Hop, là, je suis connecté. Maintenant, je fais un retour. Là, il me demande si je veux me connecter avec une PS4 et une PS5. Parce que oui, ça fonctionne sur PS4 et PS5. Mais avant tout, il faut absolument aller sur votre PlayStation 5 dans vos paramètres. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais dans Paramètres. Ensuite, je vais dans Système. Ici, dans Lecture à distance, vous serez obligé de l'activer. Donc, vous activez la lecture à distance. Ensuite, vous faites associer le périphérique. Là, vous aurez un code. Donc là, on va se retrouver sur mon téléphone. On clique sur PS5. Là, on fait OK. Et là, on attend que ça se connecte. Ensuite, ils vont vous demander le numéro de connexion. Donc, vous le tapez. Quand c'est fait, vous cliquez sur Associer. Et là, boum, vous allez voir que je suis connecté à ma PlayStation 5. Voilà, regardez, je le mets en plein écran. Et là, regardez, j'ai les touches, hein. Je peux gérer les bails. Donc là, on va quitter. Alors, je viens de remarquer au montage que mon enregistrement était devenu noir parce qu'en fait, il y a une sécurité qui s'est mise pour que je ne puisse pas enregistrer la PlayStation 5 directement avec mon téléphone. Alors, je pense que c'est une sécurité par rapport à la vidéo à la demande comme Netflix, etc. Pour pas que je fasse des partages d'écran, etc., etc. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais en tous les cas, pour vous montrer que ça fonctionne bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé mon téléphone avec une autre caméra, comme ça vous voyez bien que ça fonctionne bien, que je contrôle ma PlayStation 5 avec mon téléphone, et je peux même jouer à Fortnite et n'importe quel jeu via mon téléphone sur PlayStation 5. Et en plus de ça, vous pouvez carrément utiliser votre manette pour un meilleur contrôle quand vous jouez, donc ça c'est juste incroyable. Alors si vous voulez vous connecter en 4G, vous allez sur l'application, en haut à droite, vous cliquez sur la petite roulette, et là, dans Données mobiles, vous les activez. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter en 4G. Mais principalement, moi, je vous conseille de vous connecter en Wi-Fi parce que ça consomme quand même pas mal de données mobiles. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette fonctionnalité. Et si vous avez d'autres astuces sur PlayStation 5, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire.